Inter Climat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat à la Porte de Versailles à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Roger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'eau au Centre scientifique et technique du bâtiment. Pouvez-vous justement nous présenter votre entreprise ? Le Centre scientifique et technique du bâtiment, qu'on connaît aussi sous l'acronyme CSTB, l'établissement public qui répond aux besoins des différents acteurs du bâtiment, en particulier sur un salon comme celui-là, aux industriels, aux fournisseurs de produits, par le biais de recherche, de développement, mais aussi d'évaluation, de certification des produits de construction. Comment se porte finalement l'activité de votre entreprise ? C'est une activité qui est assez variée et aujourd'hui on voit aller à l'image un peu des dynamiques d'innovation que de nos partenaires industriels qui font face à des difficultés d'approvisionnement. Donc on va avoir des questions sur l'approvisionnement en matière, donc des changements de produits, des évolutions de produits sur lesquelles le CSTB apporte son soutien par rapport aux évaluations et aux certifications pour que les produits mis sur le marché puissent faire l'objet de gages de qualité. On peut parler aussi de défis auxquels vous êtes confrontés. Est-ce qu'il y en a ? Il y en a, oui, bien sûr, puisque les problématiques sociétales du moment, de circularité, de réemploi, de diminution de notre consommation de ressources se voient aussi sur les produits de construction. L'évaluation des impacts environnementaux et les fiches de déclaration environnementale sont aussi des objets qui sont demandés de plus en plus sur les produits de construction aujourd'hui pour les ouvrages. Donc oui, il y en a. On va parler désormais des innovations, des projets en cours. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? En termes d'innovation, je l'évoquais juste avant, on voit apparaître de plus en plus de produits qui incorporent des nouveaux matériaux pour répondre à ces contraintes de marché. Et donc, il nous appartient au CSTB d'apporter des évaluations pour que ces produits nouveaux fassent l'objet des mêmes gages de qualité que les produits plus traditionnels. Quelles sont finalement vos attentes par rapport à ce salon ? Sur un salon comme celui-là, c'est l'occasion de croiser pratiquement tous nos clients, fabricants, et donc d'être en veille, à l'écoute de leurs besoins de marché pour justement préparer l'avenir avec eux. Un mot de la fin, quelque chose à rajouter ? Je dirais sur votre entreprise ? Sur notre entreprise, ou je dirais pour... Les besoins vont croissant sur ces questions d'économie de ressources et d'environnement et le CSTB sera présent au rendez-vous, que ce soit par les marques de qualité qu'il distribue aujourd'hui ou que ce soit en phase de R&D pour adresser les nouvelles problématiques de nouveaux matériaux et de durabilité. Merci beaucoup Maxime Roger d'être passé sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'eau au Centre scientifique et technique du bâtiment. Merci à vous. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio.